Oui. J'ai reçu la télé que j'ai commandée sur Cdiscount. Ce qui est bien, c'est que ça fait wifi. La télé de ma chambre, elle est morte. Du coup, j'en ai commandé une qui fait Netflix, YouTube et ça fait wifi. Donc c'est à dire que je pourrais me connecter directement sur la box de la maison. Bon, c'est pas de la marque hein, non plus, hein. C'est Polaroid, vous allez me dire, mais c'est pas Samsung ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Ne monte pas dessus, toi. Alors, je vais l'ouvrir. Ce qui est bien, c'est que le livreur, il a dit qu'il allait livrer entre 11h et 14h, et il est venu à 11h38. Du coup, on a toute l'après-midi à faire ce qu'on veut. La télé. Là, il y a télécommande. Ici, il y a la télécommande, les vis pour fixer les pieds. Les pieds sont là. Et le câble est là. Elle n'est pas grosse, comme vous pouvez le voir. Elle n'est pas mince non plus, c'est pas un écran ultra plat, mais c'est bon pour une télé dans la chambre, quoi. Comme ça, je pourrais regarder Netflix dans la chambre et laisser les enfants crier comme ils veulent dans le salon. On va à Paris chercher papa, chercher Doudou à l'aéroport. Donc là, pour l'instant, on est dans la forêt, on est encore dans notre petite campagne. On reprend la vidéo une fois arrivé à Paris. Voilà, arrivé à Paris, on commence direct avec les embouteillages en plein sur le périph. Sur l'autoroute. Donc voilà, embouteillage. Restez sur l'une des deux voies de gauche. À côté de la tour Eiffel, enfin à côté, loin de la tour Eiffel même, je dirais. Il est bon ce McDo? Oui. Macrido. On vient de récupérer papa qui est là avec sa chemise là. Et Henrik. Pour manger McDo là. Non. Ouais, il m'a fait rigoler. Puis j'ai vomi en. Non, faut lui tirer la langue. Faut que toi tu lui tires la langue pour qu'il nous suive nous deux. Attention derrière toi, Sephora, le monsieur. Mais t'inquiète, on n'a pas besoin de le tirer de la langue. Faut aller, ça n'est pas. Où est-ce que vous allez là? On joue avec un ran. Alors là, je suis. T'es fatigué, Henrik? Ouais, j'ai épuisé. Mais moi, j'aime pas la même chose. Ça veut dire qu'ils habitent à la ville. C'est ça ton gage? Vas-y, continue. Et ta Ron qui est en train de bouffer son papier à côté. Ok, ça fonctionne pas. Si, regarde les nuages, ils deviennent tout gris. Normalement, dès le début, ils habitent là. Non. Ça, c'est la météo. Sinon, vas-y, Doudou m'a ramené de super bonnes choses de Martinique, mais je voulais surtout vous montrer ce qu'il a ramené à manger. Alors, je commence par ouvrir tout simplement la boîte. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a plein de bonnes choses. Il y a ça qui a la menthe, c'est bleu. Il y avait le rose aussi, mais je l'ai déjà bouffé avec Aaron. Il y a un carambole confit ou séché, je pense. Super bon. Je pense que c'est un bout de melon, mais je ne suis pas sûre. Ici, c'est du coco frit. Alors, il y a des parties qui sont bonnes, mais des parties qui sont assez amères.
J'ai fait un ragoût d'aubergine avec du porc sauté. Les enfants ne veulent manger leurs légumes que seulement quand c'est en ragoût. Alors j'ai dû faire une surprise. Et ils ont mangé avec du riz dans du jus de porc. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas mettre tes mains pleines de vomi. Et où ta cuillère, Aaron? Ton frère n'a pas pensé à mettre une cuillère pour toi? Si, après. Si, mais il a. Mais il a. Il a vomi avec. Il a mis la cuillère en dessous de sa gorge et il a vomi. Encore un peu? Ok. D'accord. Elle va prendre tout le. Et moi, je m'attendais pas qu'il vomissait. Hein. Quoi? Moi, je m'attendais pas à ce qu'il vomissait. Je te mets pas l'os. Ça fait que c'est elle qui veut l'os. Parce que elle, c'est la fin de la vie. Bah oui. Boutette, ça veut dire petite tête. Boutette, c'est dire en bout de tête. Ça veut dire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce repas. Donne-en à ceux qui n'en ont pas, que ça nous fasse du bien. Amen. Bon appétit. On vous aime tous très fort. Bon appétit la famille. Bon appétit. Bon appétit. C'est bon? Papa, il mange vite, c'est que c'est pas bon. Pour vous goûter. Hein? C'est bon. C'est pas mauvais. C'est délicieux. Elle est bonne la sauce, vous aimez la sauce? Oui, elle est délicieuse. Henrique, t'aimes bien la sauce? Oui. Par contre, elle est très chaude. Bah, c'est vraiment ça sort du feu. Bah oui. Oui, mais quand tu sors, c'est bon. Bah, c'est bien si vous aimez la sauce parce que c'est que des aubergines. Toute la sauce, c'est des aubergines. Là, c'est bon. C'est pas mauvais, c'est bon. Avec le vaccin. J'ai fait un ragoût d'aubergine. Avec du porc. Arrête tout ça, Aaron. À la place de ça, tu peux m'aider les goûts. Voici Olaf, le petit hamster de Sephora. J'ai entièrement construite cette cage. J'ai acheté les planches de bois à Bricorama et le plexiglas aussi. Oh, il est en train de creuser.
Alors la cage n'est pas du tout terminée comme vous pouvez le voir. J'ai prévu d'acheter de la peinture pour laisser les enfants peindre entièrement à leur goût la cage. Ça, c'est un labyrinthe que j'ai acheté pour 15,99€ sur Amazon. Et là, c'est une petite friandise pour lui. Thank you.